Mesdames et messieurs, bienvenue à cette célébration des 30 ans de la convention de 1987 liant Disneyland Paris au pouvoir public. Pour débuter cette cérémonie, merci d'accueillir maintenant la présidente de Disneyland Paris, Madame Catherine Powell. Monsieur le Président de la République, Madame les commissaires européennes, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame les présidentes de la région Île-de-France, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, quel honneur, Monsieur le Président de la République, de vous avoir parmi nous en ce jour. Et je vais continuer à essayer de parler en français. Je pense, après ce début, rien de mieux peut se passer. Et quel honneur pour nous tous, et quel symbole pour le tourisme français. Depuis la venue de François Mitterrand en 1994, c'est la première fois qu'un président de la République vient à Disneyland Paris, dans le cadre de ses fonctions. La saison ne nous permet pas de vous recevoir au pied du château, mais comme vous allez le voir derrière moi, nous avons essayé de reconstituer ce décor. Vous reconnaîtrez peut-être les tours du château d'Ussée qui inspira à Charles Perrault, la belle au bois dormant, où vous remarquerez les toitures rappelant celles des hospices de Beaune. Et vous pourrez noter les colonnes d'arbres inspirées de celles de l'église Saint-Séverin à Paris. Et oui, notre château, Monsieur le Président, est bien français, et notre entreprise aussi, et surtout, fière de l'être. Walt Disney avait un rêve inspiré par la culture européenne, comme une magnifique exposition au Grand Palais l'avait illustré en 2007. En effet, descendant d'une famille française Disney, en Normandie, Walt Disney est souvent venu en France. Et sachez-le, Monsieur le Président, le seul beurre que nous servons dans tous les parcs Disney à travers le monde, c'est le beurre Disney. Les illustrations de Gustave Doré, de Beatrix Potter, et Donneré Daumier ont inspiré les dessins animés de Disney. Grand admirateur de la France, il aurait été, j'en suis sûre, fier de ce parc ici à Paris. Il y a 30 ans, nous avons signé une convention unique qui associe Disney à l'action publique pour développer notre territoire et renforcer le tourisme en France. Je tiens à remercier pour leur présence aujourd'hui les artisans de cette convention sans qui rien n'aurait été possible. J'ai aussi une pensée particulière pour le président Jacques Chirac qui l'a signé en 1987, pour le premier ministre d'alors, M. Laurent Fabius, qui conduisit les négociations et signa la première lettre d'intention en 1984. Et pour Madame Edith Cresson, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Depuis, nombreux sont ceux qui nous ont aidés au fil des ans, ministres, élus, préfets, délégués interministériels. Certains sont parmi nous aujourd'hui. Qu'ils soient tous assurés de notre gratitude. Permettez-moi d'adresser ici un mot d'amitié au préfet Jean-Luc Marx et Yannick Imbert et à notre formidable délégué interministériel, le préfet Jean-François Carenco, qui s'en va vers d'autres aventures et pour lesquelles nous lui souhaitons bonne chance. En 30 ans, deux parcs à thème sont sortis de terre, mais aussi plus de 8500 chambres d'hôtel, deux centres de congrès, un golf, le centre Disney Village, 115 restaurants et boutiques. Disneyland Paris est ainsi devenue la première destination touristique européenne.
Je pourrais vous dire que nous sommes fiers de tout le développement économique et urbain qui a accompagné l'essor de Disneyland Paris. Mais nous en sommes tout simplement heureux. Oui, nous sommes heureux de contribuer à l'économie française avec plus de 68 milliards d'euros générés et 56 000 emplois créés. Pour un emploi créé à Disneyland Paris, ce sont 3 emplois créés ailleurs. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir fait revivre parmi nos 500 métiers des métiers d'art oubliés comme la peinture en lettres ou la dorure à l'or fin. Et nous sommes aussi heureux de notre contribution à l'Est francilien avec l'avènement de Val d'Europe, la création d'une gare TGV internationale, un centre commercial, 11 000 logements, mais aussi des écoles et de multiples équipements publics. Nous sommes enfin heureux de la diversité de nos salariés et de nos visiteurs. Près de 20% d'entre eux viennent du reste de l'Union européenne. Je sais, Madame Biankowska, vous y êtes sensible, vous qui êtes la commissaire européenne en charge du marché intérieur. À Disneyland, on parle ainsi 20 langues et on compte plus de 100 nationalités. Nous venons d'accueillir 8 familles venues de nos principaux marchés européens et qui symbolise aussi le cap historique des 320 millions de visites depuis notre ouverture. 30 ans de convention, voilà où nous en sommes. Ces années de réussite nous ont renforcés et nous sommes prêts à relever les défis du futur. Je veux vous adresser aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, un message de confiance concernant le tourisme en France. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis certaine que la France dispose de tous les atouts pour conserver sa place de leader mondial de tourisme. Oui, je crois plus que jamais à la destination France. La France fascine encore et toujours. Paris et sa région continuent de faire rêver les touristes du monde entier. Un pays si admiré ne peut que réussir. Croyez-le. Et c'est une Anglaise qui vous le dit. Au moment aussi où The Walt Disney Company réaffirme son engagement en France et son soutien indéfectible au succès de notre pays et de notre entreprise. Dès mon arrivée, j'ai souhaité rencontrer les autorités chargées du tourisme et votre présence ici, mesdames et messieurs, témoigne de notre travail commun pour promouvoir la destination Paris, les destinations Île-de-France et la destination France. Je suis convaincue que fort de notre partenariat public-privé exceptionnel, nous continuerons d'accueillir encore plus de visiteurs. C'est le vœu que je formule au moment où nous soufflons nos 30 bougies. 30 ans, c'est l'âge de l'ambition et de tous les possibles. Aujourd'hui, Disneyland Paris doit regarder vers l'avenir et penser le tourisme de demain. Nous avons un devoir d'excellence et d'avant-garde. Nos visiteurs ont des aspirations nouvelles. Notre industrie est en pleine mutation. À nous de faire de ces opportunités un tremplin. Disney est reconnu pour sa capacité d'innovation. Village Nature en témoigne et écrira bientôt une nouvelle page de notre histoire à deux pas d'ici, avec notre partenaire Pierre et Vacances. Soyons aussi créatifs et audacieux pour penser le futur de notre convention. Il y a d'abord les nouveaux grands projets d'Île-de-France. Je pense notamment, cher Jean-Jacques, à l'accueil des prochains grands événements tels que les Jeux Olympiques de 2024 ou l'Exposition Universelle de 2025. Je veux aussi mobiliser les pouvoirs publics français et européens autour de l'Est francilien. Je me tourne vers vous, mesdames et messieurs, les élus de ce territoire. Ce territoire a tout pour réussir et je connais votre engagement pour cela. J'aimerais vous inviter à réfléchir collectivement au futur de Val d'Europe.
Ce territoire doit continuer à se développer pour renforcer sa place de première destination touristique en Europe. Il doit aussi se diversifier pour devenir un pôle urbain et économique de référence en Île-de-France. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, Disneyland Paris a à cœur de réussir en France, mais plus encore, de faire réussir la France. C'est tout l'esprit de cette convention que nous célébrons aujourd'hui. Walt Disney disait, « Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long as there is imagination left in this world. » Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il restera dans ce monde une parcelle d'imagination. Puisque Walt Disney nous incite ici à imaginer le futur, alors j'imagine que dans 30 ans, Disneyland sera toujours un moteur pour le tourisme en France et la première destination en Europe. J'imagine que nous parachèverons le développement urbain du Val d'Europe. J'imagine que nous deviendrons un modèle d'urbanisme durable. J'imagine que nous porterons le développement économique de tous les Franciliens encore plus haut. J'imagine que nous aurons concrétisé une grande école de formation touristique qui nous tient à cœur. Et j'imagine enfin que d'autres grandes entreprises nous auront rejoints ici et renforceront l'attractivité de ce territoire. Nous serons alors le cœur dynamique de l'Est parisien et plus encore un pôle leader pour l'Europe. Longue vie à Disneyland Paris. Longue vie à notre collaboration si exemplaire. Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, vive la France. Plus que jamais, vive Paris et vive la France. Merci d'accueillir maintenant le Président de la République. Je voudrais ici saluer tous les parlementaires, les élus et bien sûr la commissaire européenne qui nous fait grand honneur en étant présente ici. Il y a 30 ans, donc, était signée la convention entre l'État et l'entreprise Disney. Il y a 30 ans, rien de ce qui nous entoure aujourd'hui n'existait. Rien n'aurait pu être visité si ce n'est des champs et peut-être sans doute quelques immeubles s'il n'y avait pas eu Disney. Et pourtant, la perspective de l'implantation du groupe Disney en France avait suscité des polémiques. En France, tout commence par des polémiques et tout finit par des anniversaires. La polémique à l'époque, mais elle nous paraîtra encore très actuelle, c'était de nous poser des questions comme celle-là. Est-ce que l'État peut s'entendre avec de grands acteurs privés pour mener des missions d'intérêt public? Est-ce que la France doit accueillir une grande multinationale qui, en plus, veut faire de la culture ou du loisir? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'identité française que d'accueillir sur notre sol les représentants les plus emblématiques de l'entertainment, du loisir américain? Eh bien, face à ces doutes, à ces interrogations, des responsables politiques ont pris avec beaucoup d'audace et de courage, des décisions qui, aujourd'hui, expliquent que nous sommes réunis. Jacques Chirac, Laurent Fabius d'abord puisqu'il était Premier ministre, ensuite Jacques Chirac comme Premier ministre, à partir de 1986, et Édith Cresson. Et je voudrais ici vraiment les saluer, parce qu'ils ont permis que ce « nous » un partenariat public-privé, ils ont compris que le compromis pouvait être fructueux, que le développement de Disney en Europe rencontrait le bien commun et que le territoire francilien pouvait s'en trouver modifié.
Sans doute ne savait-il pas que Walt Disney était en définitive français. Je l'ai compris en vous écoutant. Enfin, d'origine française. Mais nous, les Français, nous pensons toujours que tous les Américains sont d'origine française, sauf quelques-uns. Mais nous pensons aussi que tout ce qui est ici représenté, vous nous l'avez d'ailleurs confié, est l'exacte réplique des châteaux que nous avons dans notre pays. Et puis, la France est toujours le château de la Belle au Bois Dormant. Certains voudraient même la réveiller. Patience. Il faut savoir la conquérir. Et il faut savoir la mériter. Et donc, nous avons réussi, à travers les années, à créer cette relation de confiance entre l'État et un grand acteur privé comme Disney. Il y a eu aussi le concours des collectivités locales. Je veux ici aussi les saluer, qui ont contribué largement au développement de Marc-Gondon. Et puis, il y a aujourd'hui le Val d'Europe, qui est le seul complexe de parc d'attractions Disney en Europe, et qui accueille une gare TGV internationale, des milliers de logements, des chambres d'hôtel, des équipements publics, des centres de congrès, des dizaines de restaurants, des boutiques, 30 000 habitants, contre 5 000 il y a 25 ans, 90% des investissements ont été réalisés par Disney. C'est quand même un bon compromis qui a été réalisé à cette époque. Et ça représente 8 milliards d'euros. Et chaque euro d'investissement public a été multiplié par 11 en termes d'investissement privé. Donc je veux ici remercier chaleureusement l'entreprise que vous représentez, madame, parce qu'elle nous a permis d'avoir en France le premier parc européen d'attraction. C'était aussi une très bonne conclusion pour le tourisme et pour le développement de la France, puisque il y a chaque année 14 millions de visiteurs sur les deux parcs, un riche tissu économique qui s'est créé autour. Et là encore, par rapport à tous ceux qui nous disent qu'il faut se replier sur nous-mêmes, qu'il faut parfois craindre un investissement étranger en France, je rappellerai que 80% des achats ici sont français, qu'il y a 15 000 salariés, et je veux ici aussi les remercier pour leur talent et pour leur activité, et que le parc a lui-même créé plus de 50 000 emplois directs et indirects, qu'il y a 8 000 recrutements par an ici, et que c'est un investissement massif que vous consentez pour la formation professionnelle, et j'ai encore eu l'occasion de m'en rendre compte à travers les actions que vous menez. J'ai aussi relevé ce chiffre. Vous représentez plus de 6% des recettes touristiques de la France. C'est donc considérable comme présence sur notre territoire. Disneyland, c'est également l'image de l'Île-de-France et de Paris, puisque la moitié des visiteurs étrangers qui viennent ici à Euro Disney vont également à Paris et vont visiter Paris. Et donc vous contribuez aussi à l'attractivité de notre capitale. Disney, c'est une porte d'entrée en France et votre marque bénéficie à tout notre pays. Vous avez aussi compris quelle était la vocation de la France. La France, c'est un pays ouvert, c'est un pays qui accueille, c'est un pays qui pense qu'il peut s'enrichir du talent des autres. C'est un pays qui ne craint rien, ni pour son identité, ni pour son avenir, et qui pense depuis longtemps que le tourisme est une activité essentielle. Non pas qu'elle se substituerait à d'autres, non pas que notre vocation serait d'être un parc d'attractions. Il y en a qui pensent encore ça. Peut-être dans des pays étrangers, à peine, parfois même en France, qui nous disent que le destin de la France serait d'être un très grand parc d'attractions. C'est qu'ils ne sont jamais venus dans un parc d'attractions. C'est qu'ils n'ont pas compris qu'autour d'un parc d'attractions, il y avait plein d'autres activités économiques. Vous aviez plein de métiers qui vivaient et qui travaillaient à travers ce grand parc d'attractions.
que nous avons même des industries culturelles qui peuvent s'ajouter à l'industrie touristique. Et donc, nous sommes fiers d'être la première destination touristique au monde. Et nous le sommes depuis les années 80. Et cette force, elle ne tient pas seulement à la beauté de nos paysages, c'est vrai, à la qualité de notre gastronomie, c'est incontestable, à l'accueil des Français qui sont tous chaleureux dès qu'ils voient un étranger. Mais cette attractivité touristique, elle tient bien sûr à notre patrimoine, à notre culture, mais aussi, et c'est là tout le sens de l'investissement qui se fait ici, aussi à nos infrastructures, à notre capacité de transport, à nos services publics et également au haut niveau de formation professionnelle de nos personnels. Et c'est ce que l'Europe, également, Madame la Commissaire l'évoquait, a parfaitement compris. Et c'est tous ces atouts, tous ces facteurs qui ont convaincu Disney de choisir l'Île-de-France pour son premier et à ce jour seul complexe européen, alors que, nous le savons, d'autres pays étaient également sur les rangs. Mais c'est vrai, rien n'est acquis, comme il est vrai pour d'autres domaines, rien n'est acquis dans les records que nous pouvons établir. Nous devons toujours être les meilleurs face à la concurrence. Nous devons donc relever des défis, les défis de la qualité, les défis de la diversité des publics, les défis de la longueur des séjours. Et pour nous, c'est un point très important. Il ne s'agit pas simplement d'être le pays le plus visité au monde. Faut-il encore que les touristes y restent plus longtemps qu'aujourd'hui pour que nous puissions avoir le plus possible de retombées et de recettes touristiques. Nous avons aussi à assurer la sécurité. C'est une dimension essentielle pour nos compatriotes et pour tous nos visiteurs. Et nous savons que nous avons été particulièrement exposés et frappés, que nous sommes encore, en tout cas, exposés. Que nous veillons à prévenir tous les actes de terrorisme qui, hélas, peuvent être préparés de loin ou de près. Nous avons donc vécu des moments très douloureux parce que nos compatriotes et nos visiteurs étrangers ont pu être directement concernés. Et en même temps, nous avons pris un certain nombre de décisions, renforcé encore nos effectifs de police, de gendarmerie, des militaires. Et nous avons aussi établi une collaboration avec le secteur privé pour que nous puissions agir ensemble et assurer à tous nos visiteurs non seulement la vigilance indispensable, mais tout ce qui peut être leur protection à tout moment. Nous avons eu, et c'était aussi les effets des attentats, une baisse de notre activité ou attractivité touristique dans l'année 2016. Moins qu'il n'était prévu, mais nous l'avons également subi. Depuis le dernier trimestre de l'année dernière, nous avons pu retrouver une présence touristique particulièrement élevée, parce que nous sommes mobilisés avec les professionnels du tourisme. Nous avons dégagé 15 millions d'euros pour la sécurité, plus de 10 millions d'euros pour la promotion, pour l'action touristique, dans notre pays et à l'étranger. Et cette politique a pu porter ses fruits puisque sont revenus de nombreux touristes et notamment venant de pays qui avaient jusque-là eu un certain nombre de réticences. Et votre cérémonie d'aujourd'hui contribue également à envoyer ce message de confiance à l'égard de la France. Et vous l'avez parfaitement exprimé. Ce message aussi de vigilance que nous avons en commun, ce message d'espérance pour que notre pays soit toujours la plus grande destination touristique au monde. Et là encore, nous sommes fiers que notre pays soit choisi librement par tous ses visiteurs. Nous sommes fiers qu'à chaque fois, chaque visite touristique est un acte de confiance à l'égard de la France. La France aussi défend une économie ouverte et elle est prête à accueillir tous ceux qui voudraient investir dans notre pays. Disney a montré l'exemple, il y en a eu beaucoup d'autres. La France est un des pays où il y a le plus d'investissements étrangers et nous considérons que c'est à chaque fois un atout supplémentaire
en termes non seulement d'investissement, mais de création d'emplois et aussi d'innovation. Mais nous devons aussi, pour garder cette attractivité, encore renforcer nos infrastructures de transport. Et ce sera le cas, puisque l'État a engagé 35 milliards d'euros avec la région Île-de-France pour lancer les travaux du Grand Paris Express, qui représentera à terme 200 km de lignes de métro supplémentaires, de nouvelles gares mieux connectées entre elles, des aéroports plus faciles à desservir et des gares TGV. Je veux remercier aussi Jean-François Carenco comme délégué qui s'est beaucoup mobilisé et qui l'a fait surtout en tant que préfet Île-de-France. Et l'État construit avec les collectivités 10 hubs internationaux qui soutiendront encore l'offre de bureaux et de logements. Mais Disney fait partie de nos atouts et de notre environnement aujourd'hui. Et nous voulons que les candidatures que nous présentons pour les Jeux Olympiques et pour aussi l'exposition universelle, je dis « et » conjonction de coordination qui laisse penser que nous pouvons avoir les deux. Alors que si nous disons simplement « Jeux Olympiques » ou « Euro Disney », ça laisserait penser qu'il y aurait une option. Non, il n'y a pas d'option. Nous pouvons avoir les deux. Et nous faisons en sorte, tous les élus concernés, Ville de Paris, Région de France, État, de réussir cette présentation. Voilà pourquoi je tenais à venir ici, pour exprimer ma reconnaissance pour l'effort d'investissement du groupe que vous représentez, madame, pour dire combien les décisions qui ont été prises dans les années 80 et 90 ont eu l'effet que l'on connaît, pour féliciter tous les personnels qui se dévouent sans compter, pour dire notre fierté d'avoir ce complexe européen ici, le seul jusqu'à présent, et pour également saluer les retombées et les effets de cet investissement pour l'ensemble de l'économie régionale et pour l'économie française. Et pour surtout envoyer ce message au monde entier que la France est aimée. Elle est aimée, non pas simplement par une Britannique, mais elle est aimée par la plupart des Britanniques. Elle est aimée par les Américains. Enfin, la plupart des Américains. Et elle est aimée partout dans le monde. Je me pose souvent cette question, pourquoi ? Quand on est aimé, on ne devrait pas poser cette question, pourquoi ? Mais il faut à chaque fois, néanmoins, se rassurer, pourquoi est-on à ce point aimé ? Parce que nous avons hérité d'un grand pays, d'un pays qui a porté une culture, une langue, une histoire, parce que nous avons cette qualité de vie, cet esprit de liberté, ce sens de l'initiative, cette créativité, enfin nous le pensons, et les autres nous croient. Et puis nous avons cette capacité aussi d'ouverture, de compréhension de toutes les cultures du monde. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures qui s'enrichissent et qui s'ajoutent les unes les autres et qui font que notre culture, la culture française, est une culture qui est toujours en mouvement. Et en plus, nous avons une conception universelle de la présence de la France, parce que nous portons des valeurs universelles, de liberté, de justice, de dignité, d'égalité, des femmes et des hommes. Et c'est d'ailleurs parce que nous portons ces valeurs universelles que nous sommes plus que d'autres ciblés et attaqués, même si nous savons résister à ces menaces et nous savons les conjurer. Alors un anniversaire, un 30e anniversaire, c'est l'occasion d'une vérification, de savoir si nous nous aimons encore. Eh bien, vous l'avez dit, madame, nous nous aimons, enfin. Nous les Français, quelquefois, nous en doutons. Mais nous nous aimons parce que nous considérons que ce que vous avez fait mérite cette reconnaissance. Et cette déclaration que je viens d'adresser vaut pour tout le monde, pour le monde entier, sans distinction. Et que ceux qui ont des doutes, et j'enverrai peut-être un billet spécial à l'un d'entre eux, pour qu'ils viennent au moins à Euro Disney et qu'ils comprennent ce qu'est la France.
Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être venus assister à cette cérémonie des 30 ans de la Convention dans 10 semaines au pouvoir public. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Merci.